les 2 minutes de la montagne avec la Chamoniarde, société de prévention et de secours en montagne. Et l'intervenant du jour, c'est Patricia Lurati, hôtesse d'accueil à l'office de haute montagne de Chamonix. Bonjour à vous, Patricia. Bonjour. Alors, avec vous, on va parler dans quelques instants du fait marquant, le feu, bien sûr. Mais pour le moment, si vous voulez bien, on va se concentrer sur les conditions en montagne et puis l'enneigement. Bien sûr. Eh bien, écoutez, on a un très bon enneigement pour ce début mars et on peut chausser les raquettes et les skis dès le fond de la vallée. Donc, on a plusieurs boucles raquettes qui sont balisées, qui sont répertoriées dans des fascicules, qui sont disponibles auprès des offices de tourisme. En dehors de ces randonnées qui sont balisées, attention, toutes les randonnées d'été ne sont pas forcément praticables en hiver et il faut absolument vous renseigner avant de partir. En ski de rando, toutes les classiques des aiguilles rouges, du bassin d'Argentière, du secteur, du col du Tacul, de la brèche fuseuse sont tracées et sont en condition. Les couteaux doivent maintenant faire partir du fond de sac parce que les traces de montée commencent à devenir dures. Soit elles ont été regelées ou soufflées par le vent. À la descente, la qualité de la neige, bien sûr, est changeante maintenant. Inutile de vous dire qu'on ne trouve plus de neige poudreuse, éventuellement une vieille neige dense, sans plus. Du côté de la vallée blanche, l'arête est équipée. Une paire de crampons et des skis fixés dans le sac rendent la descente quand même beaucoup plus confortable. Pensez-y. L'enneigement est bon sur l'ensemble des itinéraires. Les crevasses sont plutôt bien bouchées. Attention, on est quand même sur un itinéraire glaciaire. Et des pièges tels que les crevasses et pans de neige sont pas toujours faciles à déceler. Les cascades de glace ont grimpé encore la semaine dernière en rive gauche du glacier d'Argentière. Mais compte tenu du beau week-end printanier, les conditions ont certainement évolué et se sont peut-être un petit peu dégradées. Conditions haute montagne, je vous en parle pas trop parce que l'activité va être compromise ces prochains jours en raison d'une météo un peu plus perturbée. D'accord, très bien. Voilà. Bon, le fait marquant du jour, bien sûr, c'est le feu. On s'envole ce matin à Chamonix. On a un feu fort qui s'est levé pendant la nuit et on a des rafales dans la vallée de Chamonix et aussi dans la vallée des Contamines-Montjoie qui avoisinent les 80-90 km/h. Donc, pour le coup, certaines remontées mécaniques risquent de mal fonctionner ce matin. Je pense surtout aux remontées mécaniques en versant sud, Flégère-Brévent. Pour les autres, j'ai vérifié, les ouvertures se font là petit à petit. Attention aussi aux balades en forêt. Sous les rafales de feu, on peut avoir éventuellement quelques chutes de branches. Ah oui, c'est bien attention, de le signaler. Hein. Voilà. Attention aux enfants aussi en forêt. Hein. Voilà. Après, on a une impression bien lumineuse ce matin, mais il faut quand même se méfier parce que le cœur du massif reste dans la tourmente. En vallée blanche, on peut avoir une visibilité fluctuante et qui se dégrade rapidement. Alors, vigilance quand même. Alors, juste pour rappeler que la vallée blanche, on ne s'engage pas comme ça, hein. Il faut un guide. Alors, si on ne possède pas soi-même une expérience du ski sur glacier, il est préférable d'être accompagné d'un guide. Comme je vous le disais, on a une vallée blanche qui est bien enneigée, là, cet hiver. On a malgré tout des pièges qui sont pernicieux, qui sont cachés sous une grosse épaisseur de neige. On est sur un glacier, on passe sur des crevasses, on traverse des ponts de neige. On ne déchausse jamais ses skis en vallée blanche. Là où on peut traverser un pont de neige avec la portance des skis, on peut passer à travers dès que l'on déchausse les skis. D'accord, attention. Très bien. Vallée blanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on descend encore jusqu'à Chamonix ski au pied. D'accord. Patricia, avant de se quitter, si on souhaite avoir un peu plus d'informations, on contacte la Chamoniarde. Comment ça se passe? Dites-nous tout. Alors, vous nous contactez la Chamoniarde à l'office de haute montagne. On est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 9h à midi et de 15h à 18h. On vous répond dans nos locaux, bien sûr, on papote. On peut vous répondre au téléphone au 04 50 53 22 08. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.chamoniarde.com. C'est complet. Voilà, c'est on complet. Est à votre disposition. Merci Patricia. 6h, 9h, Mont Blanc Marmille sur Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc.